Direct. Référendum en Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance l'emporte 56,4% des voix. Le non l'a emporté en Nouvelle-Calédonie. Après le dépouillement de la totalité des bulletins du référendum sur l'indépendance de ce territoire, organisé dimanche 4 novembre, le non a récolté 56,4% des voix, selon le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Le taux de participation s'élève à 80,63%. Suivez notre direct. Macron dit sa fierté que l'archipel ait franchi une étape historique. Dans une allocution effectuée depuis l'Élysée, le président de la République a déclaré que le seul vainqueur du scrutin était le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 20 ans. Quelques incidents au nord de Nouméa. Plusieurs voitures ont été brûlées dans le quartier populaire de Montravel, au nord de Nouméa, et deux faits de caillassage ont été signalés en marge de la clôture du référendum sur l'indépendance, ont indiqué les autorités. Un devoir de respect pour l'histoire. Les habitants attendaient ce référendum depuis les accords de Nouméa, et certains votaient d'ailleurs pour la première fois. Pour eux, c'est un devoir, un respect pour l'histoire que de se rendre aux urnes. Important dispositif de sécurité. La sécurité sur place a été renforcée, avec un 000 gendarme déployé pour sécuriser le référendum. Des voitures de police étaient garées devant les bureaux de vote, et les routes sont surveillées de près pour éviter tout blocage à l'annonce des résultats. Les autorités sont plutôt confiantes et ne craignent pas de débordement, la vente d'alcool étant notamment interdite tout le week-end.